L'avenir appartient à ceux qui font charbonner, ceux qui se lèvent tôt. C'est une femme qui donnera le go, les faire tomber comme des Legos. Tout ça brûle du fuego, se lever la coupe comme Diego. Gringo gère la symphonie, c'est bon, fait tomber le rythme. Ouais, la famille, comment ça va? Bon, aujourd'hui, on est samedi. Et on m'a dit, Gringo, grosse barotte, on est en direct de Los Angeles, c'est juste une dinguerie ce qu'on va vivre ensemble. J'ai le droit à un 250 YDF, la famille. De 2015 au 2014, je sais plus. C'est juste incroyable ce que je vais vivre, et on va le vivre ensemble. Et là, vous allez le voir sur YouTube, toutes les personnes qui m'ont sur Snap et Insta, vous allez le voir en avance un petit peu. Tous ceux qui ne me suivent pas encore, la famille, vous attendez quoi? Vous ratez des trucs comme ça en direct? Je vous mets tous mes réseaux, allez vous abonner, c'est important. On se retrouve tout de suite sur la moto. Ça va être une barre de malade. Regardez ce qui m'attend, la famille. Un 250 YZDF. Poignée neuve. Parce que l'autre fois, je l'ai pris. Poignée, c'était pas neuf. C'est carré. Je sais pas, je crois que c'est un 2015, 2014. Si j'ai pas de bêtises. Là, on a un RM 125. Eh, c'est des Kissman à mort. Ils me prêtent une moto. C'est une dinguerie, en vrai. En direct de Los Angeles aujourd'hui, c'est Big Barreau de la famille. Là, il y a Max. Il va mettre de l'huile, ça va barder. Là, il y a son ref. Non, c'est un bon. Good. Thank you for the bike, my bro. Ah, c'était bon à fond. Regardez. Ils mettent leur bécane ici. Pas de garage, pas de. Regardez. Pour vous dire comment la mentalité ici, elle est différente de la France. Ils mettent pas de cadenas. Ils la mettent ici. Il n'y a pas de problème. Vraiment, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie de ouf. Ça me choque. Tu fais ça en France, ta moto, elle est déjà. Ah non, laisse tomber. Non, mais en tout cas, aujourd'hui, ça va barder. J'ai pris ma petite caméra 360. Je vais la mettre dessus, là, sur le guidon, et vous allez voir. Hein. Ça va être incroyable. Là, on vient d'arriver au garage, la famille, regardez-moi ça. Des bécanes de partout. La barotte s'annonce ça. C'est comme à New York. Ils ont tous un petit garage où ils se rejoignent. Là, ça se passe ici. Ça va être de la frappe. Good, bro. Yes, sir. Non, de la frappe. Incroyable, la famille. Bon, tu vois le délire, quoi. On se retrouve pour la barotte. Ça va pas être des boutades. Hein.
Thank you.
là,
Hollywood, la famille. La famille, bon, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. J'ai vécu la bike life de Los Angeles. Je vous jure, c'est des bons à fond. C'était incroyable. On est sur Hollywood et tout. F. Franchement, un rêve. C'est comme New York. C'était un rêve. J'aurais jamais pensé aller à Hollywood. Là, je suis allé deux fois aujourd'hui ou trois fois. J'ai pas pu vous filmer la fin de journée. J'avais tellement. Vous savez combien de temps on a duré à faire la baroude? 7 heures. J'ai commencé vers 13 heures. Là, je vais vous dire, il est 9h41. Après, là, on s'est arrêté un moment. Mais on a fini vers 20h, un truc comme ça. C'est une dinguerie. C'est vraiment différent par rapport à la France. Ça n'a rien à voir ici. C'est beaucoup plus toléré, tu vois. En France, tu roules une moto, t'es waouh. T'es Houdini, frère. Tu vois ce que je veux dire? C'est n'importe quoi. Ici, sans. Frère, tant que tu fais rien de fou, tant que t'es tranquille, tu fais ta moto tranquillement, tu fais chier personne. Et ils cassent pas la tête. Ils ont d'autres choses à faire ici, tu vois. Il y a des meurtres, tout le monde a des armes. Enfin, c'est. Bref. Mais vraiment, la bike life de Los Angeles, incroyable, incroyable. Je vais vous mettre à la fin de la vidéo un gros merci. Je vais vous mettre l'Instagram à tout le monde. Allez les follow, leur donner la force. Max et son frère, ils m'ont prêté leur moto. C'était une. Franchement, mille merci à eux. J'ai été accueilli comme un roi, comme à New York. Franchement, c'était une dinguerie. Enfin, voilà. C'était un rêve pour moi, encore une fois. J'ai réalisé l'un de mes rêves. Et puis voilà. Grosse force à vous, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Lâchez un maximum de pouces bleus, des commentaires. Et j'irai peut-être dans une autre destination. Qui sait? Bonne journée à vous ou bonne soirée. Je sais pas quand vous la regarderez la vidéo. Et puis, comme ils disent ici, ride safe. Non, des couteaux dans le dos, et vu que j'en ai tellement, je me suis dit dorénavant, t'élimines si tu fautes. J'ai pas fini de monter la côte, on place fini côté en bourse. Des bambas qui se prennent pour des ours. Si on vient, nous on casse tout, on forcera pas à l'usure. Faut que je double le bénéf sur la quête là. Tu te fais péter devant l'eau.